Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est toujours frustrant de pas avoir du mal à marquer, surtout à domicile. Ce qu'on essaye de faire, c'est forcé de faire. Voilà, c'est sûr que c'était un délivrant sur le coup parce que je pensais qu'on avait fait le plus dur. Malheureusement, ce manque de concentration, on l'a payé cash. Voilà, on est noir, on n'est pas verni. À nous de se battre contre la fatalité et d'inverser la tendance parce que le groupe en vaut le coup. On a un bon groupe, on a un beau stade, un beau public. Et je pense qu'on a vraiment tout pour inverser la tendance et faire les phases qualificatives parce que le groupe en vaut le coup, je pense. You know, you see our record, we are frail. You know, we score a goal, it's hard to come, and then we allow one, then what, 2-3 minutes after, and that's hard to take. We knew, if we get a goal, we have to keep going the same way with if we don't have a score. But, it's all mental. You know, we had to, keep pushing, and, you're right, we should have more energy, be more aggressive in the last 10 minutes, even if we are tired. Oui, c'est sûr. Personne n'est contente, mais tout le monde travaille fort. C'est ça l'importance. On a fait assez bien, spécialement la première demi, première 30 minutes. On continue, on doit grandir et on a beaucoup de matchs ici à domicile, puis on peut trouver des résultats, puis on peut trouver dans la moitié du classement bientôt. Oui, c'est ça. Chaque équipe est dangereuse. On prend rien à la légère, spécialement dans notre position qu'on est. On prend 7 points, on regarde à dimanche pour 3 points, puis si ça va bien dimanche, ça va commencer à aller bien. Yeah, definitely. There is a lot of positives. Look, they're a good team as well, and we worked hard. We kept up with them, running with them. We create a lot of opportunities as well. We're at home here. We're feeling a little more, a little more confident nowadays because there's a big home stretch coming along, and if we could get a few wins, we could get right back in the pack. You know, at the end of the day, we still have, we can make the playoffs. We can make a run, and we can make the playoffs, and so we have to keep our composure in that sense. It is tough to come out here and not get the result that we desire to get, but. We're stepping in the right direction. We got a goal, and we'll continue to move on. And Sunday, hopefully, we'll come out with a new sense of energy. Mais je suis déçu de la deuxième demi. Je pense que les premières 30-35 minutes, quand même, on avait un bon rythme, une bonne intensité. On a récupéré beaucoup de ballons. Est-ce qu'on pouvait être un peu plus efficace en allant dans leur tiers, oui. On était capable de compter un but, mais à la fin, encore une fois, après, je pense, 2-3 buts, on compte un but, et là, encore une fois, on a quand même assez baissé les bras. Ils étaient la meilleure équipe en deuxième demi. Je pense qu'ils nous ont fait beaucoup de mal sur notre côté droit. Je pense le côté gauche avec Simon et Luke, en première demi, ils ont fait un excellent travail en travaillant ensemble, à mettre la pression, à récupérer beaucoup de ballons sur la droite. On a eu beaucoup de misère avec le Gall et Billy. Et c'est là où le but est venu. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à travailler? Oui, c'est sûr. Mais il y avait quelques notes positives qu'il faut retenir aussi. Maintenant, dimanche, c'est quand même un match très important, comme tous les matchs qui vont venir. Mais il y a 3 jours pour récupérer et aller par en avant. Alors il faut quand même être assez positif avec les gars et compréhensible. Mais il doit savoir aussi les erreurs qu'ils ont faites. Well, I think, after you score a goal, I think the first thing on your mind is great, we scored, let's try not to get them to score. And we just backed off. And again, those are signs of fragility, worried of getting scored on, and we just hung back. But I still do think that, our right side of the field, midfield and defenders had a hard time with Lang that was coming up in areas where they gave us travel. But I think they should have just done a better job. Again, it's a shame because they put in a lot of effort to get that goal, and you saw the team. Do I still question that our fitness level isn't great? Probably, because you do see the team
go down as the game progresses. And this is something, like I said, is that it's got to become a habit in training every day. Is the intensity and the rhythm has to be high all the time, so that you get those habits in a game.